La dernière fois, je vous avais appris les informations clés sur Freljord. Aujourd'hui, c'est au tour de Yonia. L'ancien Souma était le dernier maître de la technique du vent. Yasuo attira son attention et le vieil homme le prit en apprenti, puis lui enseigna ses techniques. Il fut finalement accidentellement tué par une technique du vent par Riven, et les gens accusèrent Yasuo d'être coupable de cet acte. Kennen est le seul et le premier à obtenir le titre de cœur de la tempête. Il l'obtint lorsqu'il rejoint Lord Kinku, la corneille violette et l'autre nom donné à Xayah, après qu'elle ait commencé à laisser des traînées de cadavres derrière elle. Dara est la plus récente incarnation de Karma. Elle a les traits d'une petite fille de 12 ans. Des moines provenant de l'hôtel éternel où leur chef divin, Karma, avait péri quelques mois auparavant, firent leur apparition à Shonxan. Ils soumirent la fillette à des tests et finirent finalement par voir en elle leur chef Karma. Le démon doré est le nom donné à Jin alors qu'il massacrait et faisait des ravages dans tout Yonia. Kada Jin était son pseudo lorsqu'il était un simple machiniste. Le grand maître Kusho était celui qui dirigeait Lord Kinku. Hiverne le Cruel est l'ancien nom d'Hiverne. Maintenant, il est connu sous les noms de Ronce-Pied, Aîné de la Forêt ou encore Vieil Arbre. Marguerite était initialement un golem de pierre blessée, dont Hiverne confectionna un nouveau cœur grâce à un galet ramassé dans la rivière. Depuis, elle est devenue son amie dévouée et il la baptisa Marguerite. L'œil du crépuscule était le titre de Maître Kusho auparavant, et à sa mort, son fils Shen prit ce titre. Le point des ombres, quant à lui, était le titre que détenait la mère d'Akali, Maim Jomen Teti, et Akali obtint ce titre par la suite. Roi de l'arène est le nom donné à Seth depuis qu'il a pris le contrôle des arènes de combat. Roi des singes est le nom autoproclamé de Wukong, et avant qu'il prenne le nom de Wukong, il était appelé Kong. Les Azakana sont des démons parasites que Lord Kinku tente de bannir. À la différence des démons primordiaux, ces êtres se concentrent sur la peur ou le défaut d'une seule personne. Là où Fiddlestick se nourrit de la peur au sens large, un Azakana ne peut se nourrir que d'une peur particulière, telle que la peur d'être oublié. Après avoir été tué par son frère Yasuo, Yone se retrouvit face à l'un d'entre eux. Il le pourfendit avec sa lame, et à son réveil, il avait un sabre rouge dans la main, et un masque prenant les traits de l'Azakana. Aujourd'hui, Yone est capable de voir ses êtres, et il les traque pour comprendre ce qu'il est devenu. Les Lotla sont une sous-espèce de Vastaya dont fait partie Rakan et Xayah. Ils vivaient autrefois à la lisière des forêts mystiques d'Ionia, mais ont perdu leur dernière terre. Rakan avait quitté sa tribu en déclin afin de répandre les chants de son peuple à travers Ionia. De son côté, Xayah fait partie d'un mouvement de rébellion dont l'objectif est de reprendre ce que les Vastaya, et non pas seulement les Lotla, ont perdu. Les Chimons sont également une sous-espèce de Vastaya dont fait partie Wukong. Cette tribu considère la vie comme une montée progressive vers la sagesse. Selon eux, au moment de la mort, ils deviennent des pierres et retombent au sol, et ils doivent alors reprendre leur ascension. Bien que Wukong fût exilé des Chimons, il décida tout de même de continuer de les protéger. Les Vastaya sont la descendance du métissage entre des mortels et les Vastaya Ishere. C'est une classification générale, désignant un grand nombre d'espèces de créatures chimériques. Au fil du temps, ces diverses ramifications ont commencé à s'installer dans différentes régions et ont naturellement adopté différentes formes. Parmi les champions de Yonia, Ari, Rakan, Wukong et Xayah font partie de cette espèce. Les Vesani sont la tribu Vastaya dont fait partie Ari. Elle a apporté magie et innovation au monde avant d'être décimée. Aujourd'hui, Ari souhaite poursuivre leur héritage et faire le bien dans le monde à son tour. Elle est partie à la recherche de potentiels survivants. Le conseil de Zyum envoya un représentant afin de demander l'être du maître de Lord Kinku pour mettre fin au massacre perpétué par Jin. Kusho décida par conséquent de partir examiner les scènes de crime avec Shen et son apprenti Zed. Cette chasse à l'homme dura des années et créa une rupture entre les trois hommes une fois Jin capturé. En effet, Shen et Zed pensaient tous deux que le psychopathe méritait un châtiment plus sévère.
Toutefois, à la différence de Zed, Shen accepta la décision de son père. La fraternité Navori fut une résistance créée lors de l'invasion de Yonia par Noxus. C'est un groupe souhaitant militariser Yonia pour combattre les envahisseurs. Irelia rejoignit ce groupe et en prit la tête après avoir vaincu Swain lors de l'invasion du Placidium de Navori. Les membres de Lord Kinku sont les gardiens auto-désignés de l'équilibre sacré d'Yonia. Ils arpentent les royaumes spirituels et matériels, œuvrant comme médiateurs dans les conflits qui les opposent. Zed fit un coup d'état pour mettre fin à cet ordre et s'empara du temple. Akali naquit parmi l'ordre Kinku, mais face à leur incapacité à agir contre les ennemis d'Yonia, elle décida de quitter cet ordre. Kennen avait également rejoint l'ordre et avait notamment enseigné à Akali les techniques de Shuriken. Pour finir, Shen prit la place de son père et tenta de faire revenir les principes fondamentaux de l'ordre. Le monastère d'Irana abrite de nombreux moines compétents et éclairés, dont les adeptes sont des défenseurs de l'harmonie personnelle. Ces moines ne sont pas sans défense, car ils sont suffisamment habiles pour rediriger les coups d'un adversaire. Dans un acte d'altruisme, ils recueillirent Udyr afin de lui apprendre à maîtriser sa fureur animale. Après s'être emparé du temple de Lord Kinku, en se servant d'anciennes techniques interdites, Zed mit en place un mouvement impitoyable, l'Ordre de l'Ombre. Tout comme la confrérie de Navori, son objectif est de militariser Yonia, et Zed enseigna ainsi à ses disciples la voie des ténèbres. Lors de l'invasion par Noxus, le Kinku et l'Ordre de l'Ombre décidèrent de faire une alliance temporaire. Voyant en Kain l'avenir de l'Ordre de l'Ombre, Zed décida de le recueillir en son sein. Tout comme Lord Kinku, les moines Shojin cherchent à revenir au pacifisme isolationniste. Le monastère de Shojin abrite des moines pacifiques qui pratiquent depuis longtemps les arts martiaux de la guérison intérieure. Lee Sin décida d'aller à ce monastère afin de rejoindre leur rang, et les moines finirent par l'accepter comme élève. Lors d'un entraînement, il lança un puissant coup de pied en faisant appel à la rage du dragon présent en lui, ce qui paralysa son instructeur. Et Lee Sin fut alors banni. Maître Yi est le descendant d'une des rares tribus vouée à la préservation du Wuzhou. Suite au massacre de sa famille, il était devenu le dernier maître de cet art ancien. Alors qu'il s'était exilé, il fit la rencontre de Wukong et sentit pour la première fois revivre l'esprit du Wuzhou. Il décida alors de lui enseigner les vertus de la discipline et de la patience. Le bâton que possède Wukong a été créé par le forgeron Doran. C'est un titre honorifique réservé aux élèves les plus brillants de la voie du Wuzhou que Maître Yi décida de lui offrir. Le Kama et le Kunai sont une faucille et une dague de jet qui servent d'armes à Akali. Les Shuriken, quant à eux, sont des armes utilisées par Kennen. L'arbre des rêves est né d'une graine du dieu Sol lorsque celui-ci fut abattu. Il se trouve au cœur du jardin de l'oubli et est nourri par Hiverne, répandant la magie des désirs de l'humanité à chaque bourgeon qui s'épanouit. Et Lilia naquit d'un des bourgeons de cet arbre. Le dieu Sol, quant à lui, est l'un des plus anciens arbres magiques d'Yonia, qui fut détruit il y a des siècles par Hiverne, et ce dernier fut alors transformé et devint le vieil arbre. Faelor est l'île au sein de laquelle fut envoyé Syndra, après qu'un prêtre ermite ait promis de lui apprendre à contrôler sa magie sauvage. Au fil des ans, perdant de sa magie et se sentant trahi plus que jamais, sa colère fit tomber les fondations du temple. Des orbes noires furent conjurées, et elle fut précipitée dans une caverne profonde, attirée par des racines dans le bassin des rêves. Syndra fut emprisonnée. Finalement éveillée par ceux qui avaient naguère monté la garde sur Faelor, Syndra éleva la plus haute des tours, empêchant quiconque de s'approcher d'elle. Les armes dont dispose Jin proviennent de la forge de Kashuri. Toutefois, on ne sait pas comment il est entré en leur possession à sa sortie de prison. Lee Sin et Udyr décidèrent tous deux de défendre le monastère d'Irana. Après une longue réflexion, Lee Sin décida d'invoquer l'esprit du dragon, dévastant ainsi les rangs des ennemis. Les moines remportèrent alors la bataille, mais cela coûta la vue au jeune homme. Les moines lui pardonnèrent son arrogance passée, et il décida de rester à leur côté pour reconstruire le monastère.
au Mikaelan est un bosquet sacré qui opposa de la résistance aux hommes d'hiverne lui-même grâce à ses êtres chimériques. Le Placidium de Navoli est l'un des endroits les plus sacrés de Ionia. Beaucoup y sont allés pour étudier dans les écoles les plus prestigieuses, ce qui fit sûrement de ce lieu une cible de prédilection pour Noxus. C'est en ces lieux que les Ioniens prirent finalement les armes contre Noxus. Jericho Swain avait réussi à s'emparer du Placidium, mais Irelia le contre-attaqua. Cela devint alors le point de bascule de la guerre, et le nom de Xan Irelia retentit partout dans Ionia. Le sol fantôme est l'un des plus anciens arbres magiques d'Ionia, qui fut détruit par Syndra lorsqu'elle était enfant. Les deux chasseurs Valmar et Kay combattirent une vague d'envahisseurs noxiens au sein du temple de Pallas. Malheureusement, Kay fut mortellement blessé. Brisé par la douleur, Valmar le porta à l'intérieur du sanctuaire. Tous deux furent alors consumés par la puissance du Darkin qui était présent ici depuis des lustres. Et Varus venait de renaître. Les terres premières et l'autre nom de Ionia. Ce sont des terres possédant une magie naturelle, au sein desquelles eut lieu de nombreuses guerres antiques. Tula est une prison hautement fortifiée au sein de laquelle fut enfermé Jin pendant de longues années. Les moines le firent travailler dans divers domaines, mais ne parvinrent jamais à guérir ses fascinations morbides. Il fut finalement libéré par des protecteurs dont on ne connaît pas l'identité. C'est au sein de Vlanko que Xaya et Rakan se rencontrèrent. Well est un port fantôme protégé par les propriétés mystiques d'Ionia. On ne le trouve nulle part sur les cartes. Et s'il apparaît à quelqu'un, c'est qu'il est en mauvaise passe. Akali se rend fréquemment dans ce village. Wuju est le village où a grandi et a pris la voie de l'épée Maître Yi. Ce dernier et ses disciples prirent la défense de Ionia durant la guerre, attirant ainsi le courroux de Noxus sur Wuju. Maître Yi se sentit ainsi responsable de la mort et de ses ruines. Et pour finir, Zhiyun est la ville au sein de laquelle Jin était un machiniste dans des théâtres itinérants. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire le prochain glossaire que vous aimeriez voir. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, c'est les meilleurs gestes de soutien que vous pouvez faire envers mon contenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.